la radio de mon village qui existe toujours. Et mon père était à la radio, il avait une émission aussi. On est tous passionnés de musique quand même dans la famille. Mais 6 ans pour mener à l'antenne une émission de dédicace. Eh ben oui, la j'aimerais petite bien, Olivia avait déjà un sacré bagou, une sacrée gouaille. Je sais pas, c'était facile derrière un micro, on me voyait pas. Donc du coup, c'était assez plaisant de pouvoir s'exprimer sans avoir le problème de la timidité qui entrait en jeu. Et d'ailleurs, mon premier groupe, ce jeune garçon qui vient me chercher, il me disait « mais bouge sur scène, mais bouge !» Moi, je mettais tout dans la voix, je ne bougeais pas d'un millimètre. Et puis c'est rigolo de voir que 15 ans plus tard, je suis la chanteuse bondissante par excellence. C'est étrange, la vie.